Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la morpho-anatomie des classiques physiques. Il y a beaucoup de questions en ce moment sur le classique physique. Qu'est-ce qui fait d'un physique classique en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un physique est classique? Et le vacuum. Donc, cette vidéo, elle va être en deux parties. Je vais d'abord poser les bases, vous parler de la morpho-anatomie de certaines légendes de la Golden Era. Dans cette vidéo, je vais prendre Arnold Schwarzenegger et Franz Zane. Je pense que c'est les deux que vous avez en tête concernant cette période. Et pour terminer, je vais prendre Francis Ben Fatou, parce que son physique était juste incroyable. Et donc, pour réaliser cette morpho-anatomie, je vais m'intéresser à Arnold Schwarzenegger principalement parce que j'ai trouvé cette série de photos qui est parfaite pour réaliser cette analyse. On va commencer du coup par la structure. Donc Arnold, c'est un longiligne, hein. Je vous apprends rien, vous le voyez sur l'écran, des longs membres et un petit buste, donc des longs tibias, des longs fémurs, des longs avant-bras et petit torso, donc grosse cage thoracique et clavicule relativement large. Critère classique des longilignes. Concernant les muscles maintenant, on commence par le bas avec ses mollets, donc des mollets moyens, rien de spécial à dire. Ischio qui ont probablement un bon potentiel de développement, mais vu la longueur de ses jambes, on a du mal à s'en rendre compte. Également sur la photo, il n'était pas en position pour contracter les ischio, donc un muscle qui n'est pas contracté, c'est difficile qu'il ressorte correctement, notamment pour les ischio. On peut voir que ses fessiers, ils sont assez haut, donc assez court. Quand on repasse devant avec les quadriceps, on voit que ces quadriceps ils enrobent absolument tout le fémur, donc Arnold avait de très bons quads. On monte sur la face postérieure encore avec le dos, on peut voir des grands dorsaux qui sont très présents, très puissants, qui recouvrent absolument tout ce qu'il y a à recouvrir, presque sauf la zone du milieu qui laisse l'espace pour ce fameux Christmas tree. Donc à savoir que si vous avez un grand dorsal qui est vraiment extrêmement long, vous n'aurez pas de sapin de Noël là, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout ce qui est érecteur du rachis pour se montrer. Donc Arnold a eu de la chance là, il a eu le combo parfait au final. Qui dit généralement grand dorsal imposant dit trapèze dormant, mais chez Arnold c'est pas forcément le cas. Ses trapèzes moyens sub sont très bien développés, probablement parce qu'il a un petit torso, donc tout paraît impressionnant là-haut. Quand on continue sur la face postérieure avec les triceps, on voit que ses triceps, sa longue portion en tout cas, descend jusqu'à son coude, et son latéral de même, donc des triceps très forts. Quand on passe sur le côté, on peut voir que ses épaules antérieures n'est pas au niveau du reste des bras et des pectoraux. On peut voir également que son deltoïde postérieur, ailleurs, pas des plus imposants, donc un point faible épaule en général. Qui dit point faible épaule dit généralement gros point fort pectoraux, et pour le coup, bah c'est Arnold, je vous apprends rien. Avec une cage pareille en même temps, t'as plus de chances d'avoir des gros pectoraux qu'avec une mini cage. On continue avec les biceps qui sont, bah vous le savez, longs. Maintenant, on va s'intéresser à l'élément final, mais peut-être le plus important de cette vidéo, c'est la sangle abdominale. On peut voir que les abdos d'Arnold sont loin d'être impressionnants, principalement parce que bon, il a un petit buste, pas beaucoup d'espace pour le grand droit. On va s'intéresser aux obliques maintenant, obliques qui paraissent également très forts sur la pose de face ici, principalement à nouveau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre la hanche et la cage. On se retrouve de toute façon avec des obliques qui paraissent très forts, et en gros ça donne une ligne pas très fine, on a une taille plutôt épaisse. Donc voilà pour la morpho-anatomie d'Arnold, qui est plus ou moins en fait la morpho-anatomie du classique physique. Et pour rajouter, parce que j'adore cette photo de Francis Ben Fatou, on peut voir que c'est la même chose chez Francis, mais avec un gabarit un peu plus petit, un déséquilibre pectoraux-épaules un peu moins marquant, imposant. Sauf qu'on a la même morphologie ici, si vous regardez bien, des avant-bras qui sont très longs, un humérus qui est court par rapport à la taille totale des bras, on a des fémurs qui sont longs et un buste qui est court, une cage thoracique impressionnante et des clavicules qui sont assez longues. Je voulais quand même mettre Franz Zane dans cette vidéo, Franz Zane qui montre un équilibre du corps, un peu plus présent que les deux profils que je vous ai montré juste avant, ce qui nous montre qu'il peut y avoir des variantes de morphologie chez les champions de classique physique notamment, ou de bodybuilding en général. Pour vous donner un exemple, l'opposé de la morphologie classique physique, l'opposé de la morphologie Francis Ben Fatou et Arnold Schwarzenegger, ce serait par exemple, pour rester dans l'ancien temps, Lee Priest, avec cette fois bon, une taille déjà beaucoup plus petite, mais également des fémurs beaucoup plus courts, un buste beaucoup plus long et donc des pectoraux beaucoup plus hauts et beaucoup moins imposants. On a un look déjà beaucoup plus bodybuilder des temps modernes que le classique physique. Donc maintenant que vous avez ces informations sur la morpho-anatomie de plusieurs monsieur Olympia des années 70-80, on va pouvoir répondre à plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'un physique est classique? Déjà, la première réponse, c'est morpho-anatomiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a vu qu'ils avaient tous la même morpho-anatomie. Finalement, vous avez vu à la fin qu'il y a une morphologie qui est complètement différente, les fameux brevilines qui se rapprochent un peu plus des bodybuilders des temps modernes. Si on veut pousser un peu plus loin, on peut voir qu'également, il y a le look classique, donc la coupe de cheveux, notamment.
finalement, qui peut, mine de rien, apporter un élément un peu plus classique au physique. Mais ce qui, d'après moi, rend le physique le plus classique possible sur scène, c'est le posing, la façon de le présenter, en fait. Pour moi, le classique physique, ça ne veut rien dire, mais le posing classique, le posing old school, ça a complètement son sens. Je vous rappelle qu'à l'époque, les bodybuilders, ils ne se considéraient pas comme classiques. Les bodybuilders étaient des bodybuilders. D'ailleurs, récemment, dans une interview, Arnold a répondu qu'il concourrait actuellement en bodybuilding et non en classique physique, alors que c'est un des emblèmes du classique physique, c'est pour vous dire. Donc, tous les participants de la catégorie classique physique ne sont pas des classiques physiques, ils sont des bodybuilders qui ont choisi de concourir dans cette catégorie en particulier. Mais cette catégorie, effectivement, comme un bon grand nombre de personnes le pense, est une mini-catégorie de l'open. Il n'est donc pas étonnant de voir des physiques comme Brian Enzi ou alors George Peterson remporter le classique physique, parce que ce sont les bodybuilders les plus complets. Le seul reproche qu'on peut faire à George Peterson en classique physique, c'est de ne pas poser suffisamment classiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez élégant dans ses transitions et dans ses poses. Mais en classique physique comme en bodybuilding, c'est celui qui a le package le plus complet qui va remporter la compétition. On peut voir qu'ils ne mettent pas autant d'emphase que ça dans le posing, alors que je pense que c'est ce qui démarque les physiques de open. Donc la seule question que vous devriez vous poser, que tout le monde devrait se poser, c'est à quel point le posing classique compte dans la comptabilisation des points pour remporter la division. Parce qu'apparemment, pas beaucoup. En tout cas, pas l'Arnold classique, qui est pourtant sous le nom d'Arnold Schwarzenegger. Concernant le vacuum maintenant, donc est-ce que le vacuum doit être obligatoire ou pas? Pour ceux qui ont suivi ma chaîne en 2018, pendant Vlogmas, j'ai fait une vidéo que j'ai appelée, intitulée « Encore un mensonge ». Donc vous avez un peu mon opinion sur le sujet. Donc le vacuum, il a été utilisé à la base par la morphologie d'Arnold Schwarzenegger, parce que comme vous avez vu, ils n'ont pas des beaux abdos. Donc c'était un moyen de masquer le fait qu'ils avaient une taille qui paraissait un peu épaisse et que leur grand droit n'était pas extraordinaire. Ils se sont rendus compte qu'en faisant un vacuum et en twistant telle une pose de classique physique, le rendu était meilleur. Du coup, ils ont décidé de la garder pour plusieurs poses. Comme vous pouvez le voir sur internet, sur les photos d'Arnold Schwarzenegger, il est très 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 souvent en vacuum, parce que sa sangle abdominale n'était pas la meilleure. Après, concernant le vacuum, bien sûr, vous avez tous en tête les photos de Frank Zane. Donc Frank Zane, c'est un peu la référence concernant le vacuum. Son vacuum est très profond et son physique était très esthétique. Mais si vous regardez bien les photos sur scène et les photos, peut-être quelques photos que je vous mets à l'écran là, dans 90% des cas, il avait les abdos contractés. Il utilisait principalement le vacuum pour soit des photoshoots, soit une petite transition entre les poses ou juste après avoir fait la pose traditionnelle sur scène. Si jamais les gars dans la division, sur leur posing, ils ont remarqué que avoir un vacuum sur cette position rendait leur physique plus esthétique, ils ont tout intérêt à le faire. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut absolument pas le faire juste pour l'intérêt de paraître classique. Je vous donne un exemple qui m'a fait un peu rager ce week-end, parce que du coup ça impacte un peu tout le monde, les gens qui réfléchissent pas trop à ça, c'est Steve Loris. Donc ce week-end, mais il y a deux week-ends à l'Arnold Classic. Donc Steve Loris était numéro 2 à l'Arnold Classic. Il se retrouve à faire un vacuum alors qu'il a la sangle abdominale la plus impressionnante de la scène. Quand vous avez de beaux abdos, il faut les contracter, les gars. Quand vous avez les beaux abdos, il faut le montrer sur scène. Surtout quand votre vacuum, il ressemble à ça. Vacuum très impressionnant, mais sur son physique, ça ne va absolument pas. Il n'a absolument pas la taille pour faire ça. Donc, morale de l'histoire et ma réponse, c'est si vous avez des beaux abdos, contractez-les. Si vous avez des abdos qui sont pas très esthétiques génétiquement, bah, rentrez le ventre sur les poses qui demandent de masquer votre faiblesse génétique, mais n'en faites pas une pose obligatoire dans la division. Ce serait complètement stupide et difficile de toute façon à juger, parce qu'on a vu en plus qu'il y a des différences morphologiques qui fait que on peut plus ou moins avoir un vacuum profond. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. N'hésitez pas à me partager votre opinion en commentaire, à me dire ce que vous pensez justement. Si vous, vous pensez que le vacuum doit être mandatory pour d'autres raisons que je n'ai pas abordées dans cette vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez concernant la question « qu'est-ce qui fait d'un physique ?» classique. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était un peu compliqué mais j'imagine que les passionnés, ils ont réussi à me suivre jusqu'au bout. Si vous l'avez bien aimé, je vous invite bien sûr à me déposer un petit commentaire cadeau et à liker la vidéo, et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars!